Saluer Bassan, tu nous en accompagnes à Yesu. Lorsque la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit accordée, que le Seigneur soit favorable, les sept paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Tout ce qui est la cinquième parole. Parce que tu dis que l'évangile est riche. Il y a une couleur rébellée. Il y a la cinquième parole. C'est quand le Seigneur. Azoloba, j'ai soif. Yamoto bara to sambeli. Seigneur, te pichu merci pour ce temps. Kotiya on a salobo konayo. Béni ce temps, assiste nous. Nous sommes tous la musika. Kamba tango na ngolo nayo. Au nom de Jésus, amen. Ok. Tozui, mukanda ya Jean. Tozui, mukanda ya Jean. Chapitre Nayango 19, verset Nayango 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, enfin que l'écriture fût accompli, j'ai soif. Ok. Que le Seigneur soit loué et qu'il soit béni. Bible telle Sabiso. Le Seigneur Azoloba, j'ai soif. Aussi, tu expliques qui j'ai soif oyo. Le cola nzambe oyo na ancienne alliance azalaki na posa ya kobiki sa peuple. Dieu avait besoin de nous sauver dans l'ancienne alliance et puis akokisaki yango abikisaki biso na ekulusu. Que Dieu soit loué. Naïkoulousou, le Seigneur nous avait sauvés à Kodagbiso Sali. Lélo, tu n'as pas aspect moussousou, Kolobake à la croix. Le Seigneur, Azaleka n'a pas sa kobi qui s'abissote. Mais tu n'as pas aspect que le Seigneur, Azaleka n'a pas sa vengeance. Nakata monte manae, Azaleka n'a pas sa vengeance. Il devait se venger de quoi? Pour sa vengeance contre Nani, Azalaki n'a pas sa vengeance contre ennemi Nae, Oyo, Azalaki, Satan. Pour quelle raison? À cause de Yamabe Oyo, Satan, Azalaki, ne Toueba Nautal Seyangou. Tout ça, nous avons dit 2 Samuel, chapitre 13, verset 1. Après cela, voici qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, il l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Ok. Nazui, verset, Nazaran a dit Samuel. Nazui, na verset 28, 2 Samuel 13, 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, car le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frapper. Amnon, alors tuez-les, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Que le Seigneur soit béni. Na écriture, toujours remarqué, roi David a dit moi, Yakitoko, kombo na ezalaki Tamar. Mais tokomona Amnon akosepela na mwana oyo pe akoyeba na kozwa na makasi akoyeba na kovyole. Tangu Amnon akovyole Tamar azalaki na lamba moko tiniki moko ya bakulere bele oyo bana basi ya bakonzi babande kobal kolata osilotake bazalaki nanu ba vierge. Alors, tant Amnon a violé, il a écouté Tamar
ayebana ko pasola elamba wana parce que azala ki violé mosilo tanki azala ki nanu violé te elle gardait sa virginité abandaki kolata elamba wana ya azala ki bigaré que le seigneur soit loué abandaki kolata yango ne tozotala ke amno azoya ko violé Tamar. Donc amno a ko violé Tamar acte amno salaki et pesaki Absalom kanda Absalom abombaki kanda na mutema ti un jour Absalom akoyeba na ko se venger akoyeba na ko boma amno azoboma amno pourquoi azoboma amno parce que amno ayebaki na ko violé oyo ezalaki Tamar je crois ndoto yango wana yango tolobi ke Tamar oyo azala rapé image ya basantu nyoso na kati ya dan. Oui, azala rapé image ya basantu na kati ya dan. La Bible dit que Tamar était belle. La beauté de Tamar ezo symbolisé pe ki bosantu o ezala ki na Adam na Eden avant le péché. Adam asumuka avant sumuka. Adam était pire, il était saint devant le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Puis vous remarquez que Tamar azalaki na tini ki moko bigare ya balangi ebele. Nous disons que la tini ki bigare ya balangi ebele oyo Tamar azalaki na yango. C'est ça la gloire de Dieu que Tamar Adam azalaki nango na kati ya jardin d'Eden. Mais vous remarquez que Tamar c'est l'opé signification à combo ya Tamar et la ksaka palmier. Selon la signification de son nom, Tamar veut dire palmier. Or, palmier, tangu tokoya na mukanda ya psaume chapitre 91, kuna Bible hotel sabiso moyenge beni azalaka ba comparer na palmier. Je crois naza na mukanda ya psaume chapitre na yango. Oh, psaume chapitre 92. Je prends le verset 12. Les gis se croisent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Tamar, c'est la signification kombonaye et l'inkoloba palmier. Oh, nous avons un psaume, ce que tu as dit, psaume nonande, et tel est ce qui est palmier, et ça rendait bien bien. Par là, comment on a Tamar, loko la palmier, et ça, kota l'isabiso, bien bien, nyon, sonakatia Adam, quand le Seigneur avait créé, il nous voyait tous en Adam. Juste, tout à l'heure, Adam, là, c'était avant le péché d'Adam. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que vous remarquez tout justement, après que Tamar a violé, a déshonoré, il faut perdre robe wana, tini ki wana. Il faut perdre tini ki wana parce que virginité longue, il faut perdre tini ki wana. Que le Seigneur soit béni. Tini ki wana a gardé ango. Kaka, ce qui virginité zali, mais ce qui virginité kei, elle doit perdre sa tinique. Que le Seigneur soit loué. Le tout ce monde amno, a koya ko violé Tamar. Anno ko violé Tamar, a coupé sa Tamar semas nae, et ça kota lisa, ce qui était passé en Eden ici, toujours soit amno comme tout un ennemi, acte ou amno zo salawana. Tous ceux qui tout un ennemi, oyo aéba qui na ko violé, pour tous bimisa lèvres, aux autres les cana Eden, on appelle le la violence mobimba. C'est pour dire que amno aéba qui na ko suyé Tamar, amno aéba qui na ko suyé Tamar na ko pesaé aux autres qui semas nedo, ce qu'il avait fait, o amno cela qui na Israël, cela qui une abomination, cela qui une abomination. Et là, il y a un peu de malamte na misu ya Nzambe. Tamar a koma ki suye a cause ya evre oyo amno a eba ki na kosala. Voilà pourquoi il faut a déchirer o ezala ki vêtement pour dire qu'elle a perdu la virginité. Que le Seigneur nous bénisse. Ya on toujours misa amno awa comme l'ennemi. Toujours misa amno comme l'ennemi par rapport ya evre na ye o ya salaki. Evra salaki zalaki evre yamabe ko déshonoré zalaki la fille du roi. C'est ce que les serpents avaient fait en Eden. Nous croyons que nous étions tous déshonorés en Adam.
à partir na musala oyo les serpents ça ebaki na kosala nde tozon di maquette amno tango ebaki na kokushena tamara ebaki na kopesa ese mas na ye c'est ça cette semence là oyo amno akopesa epa ya tamara c'est ça le péché c'est le péché oyo yela kibiso na nzela ya satan na nzela ya diable donc na nzela ya satana tozalaki déshonoré na nzela ya satana nde lisumu ekotaki na kati na biso toperdaki oyo ezalaki virginité parce que quand on voit la virginité nous voyons la sainteté la pureté parce que une vierge c'est une femme ou une fille ayebi semence ya mobalité ayebi semence ya mobalité mais tango déjà azoyeba semence ya mobali azolongwa vierge yango tolobi ke toyebaki na koperdre virginité oyo ezalaki vie ya kibosantu toyebaki na koperdre yango na nzela ya serpent ancien na semence na ya lisumu oyo ekotaki na kati na biso voilà pourquoi vous remarquez Tamar il faut apasola la tunique ya plusieurs couleurs alongola yango parce que elle n'était plus vierge Romains chapitre 3 verset 20 elobi car tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour dire que la tunique de plusieurs couleurs représente la gloire de Dieu. Vous voyez, la tunique de plusieurs couleurs représente la gloire de Dieu. Il y a un autre lobby qui est dans l'ancienne alliance, en Éden, avant le péché de l'homme, avant que l'homme puisse tomber dans le péché, l'homme soit déshonoré par l'ennemi, l'homme était bien vêtu. L'homme a dit bilamba. Bilamba, otozalaki na yango, tuniki bigare, c'est la gloire de Dieu, otozalaki na yango. Mais après le péché, to perdaki gloire wana, c'est pour dire que to komaki ni, parce que to perdaki gloire. Parce que babi nga o tuniki bigare, elaki tuniki ya pan pan bate, elaki tuniki ya lokumu, oye ba nabasi ya bakonzi banda kolata, aussi le taki ya bazalaki nanu vierge, cette tuniki là, c'est ça la gloire de Dieu, que le Seigneur bénisse. C'est ça la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez que Absalom, à cause de l'acte wana, a bombaka kanda na motema. Azalaka na kanda, a bombaka kanda. Pour ça, naye, ezalaka a se venger du kolo ya Amnon. Parce que Amnon a déshonoraka ser naye. Donc c'est pour dire que dans le cœur d'Amnon, il y avait aussi un jour de vengeance caché dans son cœur. A bombaka jour à vengeance wana, il fallait qu'il aille nako manifester yango. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. A bomba yango, il fallait qu'il aille se manifester yango. Mais à quoi manifester yango, quand? Yango tobi que tant que nous à l'éternel, à la croix au que j'ai soif, et tel se rappelle Nzambe, dans une alliance, ou à Zalara na Kanda, ou à Linga Zarape na Kanda, l'Ikolo ya Banguna na et. Munguna yango c'est l'ennemi à cause de ce qu'il avait fait en Eden. Que le Seigneur bénisse. Nous avons remarqué à cause de la fête. Fête wana kosa la bato bakosangana ebele. Mais objectif ya rassemblement wana c'était la mort d'Amnon. Mais na début ya fête wana on remarqué que Amnon a pesaki masanga, Amnon a melaki, Amnon a zalaki na kate sengo. Mais Amnon a yebaki te ke na kati ya feti wana liwa na ye nde ekoyeba na kotalisama. C'est pour dire que posa ya motema ya Absalom ekoyeba na kokokisama na kati ya feti wana. Que le Seigneur soit béni. Or Absalom selon la signification de son nom elingi koloba le père de paix, le père de paix. Que le Seigneur bénisse. Selon la signification ya kombo il y a Absalom et Talisaka, papa ya Kimia. C'est pour dire que papa ya Kimia, il y a Absalom. Absalom Moutou, Abota Kimia. Que le Seigneur bénisse. Si Absalom est le père de paix, c'est pour dire que la paix est le fils d'Absalom. Que le Seigneur bénisse. Mais remarquez ce qui se passe. Ce qui est dans mon canal Ecclésiaste, chapitre 3. Soto tangi na mukanda ya Ecclésiaste chapitre 3. Okomo na bilezo ebisa biso na verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux.
Nazu verset Oyo Nazoluka. Nazu verset Naluka, verset 8. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et logo meminga kuna eza Absalom, le père de la paix. Ecclésiaste 3:8 bisinga ke il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que le Seigneur nous bénisse. Tozon di maboye que l'ancienne alliance c'était le temps de la guerre, la nouvelle alliance c'est le temps de la paix. Nous disons que l'ancienne alliance c'était le temps de la guerre et la nouvelle alliance c'est le temps de la paix. Pourquoi Tolobi que l'ancienne alliance était le temps de la guerre? Tozo pesa likomi oza kondimisa likambo oyo toza koloba. Ok, Romains chapitre 5 verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie. Par là nous avons compris que le temps de l'ancienne alliance était le temps de la guerre. Guerre contre qui? Contre Dieu. Hein? Guerre contre Dieu parce que tu l'as qui est ennemi na ennemi frère pour attaler dans Romains chapitre 5 verset 10. Cela qui ennemi nanzambe, donc c'était le temps de la guerre. Donc à partir du soumis à Adam, et c'est ça qui guerre nanzambe, c'était le temps de la guerre, l'ancienne alliance. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui ce n'est plus le temps de la guerre, le temps de la grâce c'est le temps de la paix. Le temps de la guerre c'est le temps de la loi, toi qui nakanda nanzambe, mais le temps de la grâce c'est le temps de la paix. Oh, tout ça les kimia nanzambe, cela veut dire bitumbe sili toyokani nanzambe. Alors, Moutazo Bota Kimiawana Absalom, c'est le Seigneur Jésus. Et on le dit, c'est le Seigneur Jésus Christ. Yende Aza Absalom, c'est lui le Père de la paix. C'est lui qui était venu affanter la paix. Le temps de la grâce, c'est ça, le temps de la paix. Papa Nango Nan, Papa Nango, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui avait affanté la paix à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, il n'a plus de paix. Il nous a réconciliés avec son Père. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, ce n'est plus le temps de la colère. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous avons parlé de Absalom comme Dieu lui-même dans le corps de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, il y a un autre avis. C'est pour dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous alors, vengeance wana et que se manifeste ne koulousou. Vengeance wana et que se manifeste ne koulousou. À la croix, nde ezalaki tant où le Seigneur, ezalaki ayebana ko beta, ezalaki Absalom et Amnon, Adam Samuel c'est des diables, à cause ya Eve, ezalaki na Eden ko violer, ko pesa semence même ko suyer biso. Le Seigneur devait se venger, c'était à la croix de Golgotha, nde le Seigneur a ko kitisa kanda na ye likolo ya Amnon. Donc remarquez, Amnon a débit Azo mela masanga, azo yoka bien, azo sepela, mais amna zo yebate ke, bien kazo mela masanga, bien ke azo sepela, mais nzambe akoyeba ko se venger likolo nae et ko soukela ye mabe. C'est ça l'œuvre de la croix. Quand l'ennemi azo kanga le Seigneur ko matane ko support na bango zala ki esengo, mais ba yeba ki teke et ko souka mabe pona bango et ko zala défaite pona bango. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'était à la croix, ne makambo oyo ezo salam. Ce qui te zoom kanda Esaïe, chapitre 63, vous remarquez, Esaïe 63, Bible ezo talisake, verset 1. Qui est celui qui vient de Dom, de Botra, à vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis les salis, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. J'ai été seul à fouler oppressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Que le Seigneur nous bénisse. Par rapport à l'écriture, il y a un jour de jour, il y a vengeance qui n'a qu'à ta motema, paix l'année de racheter yé. C'était à la croix. Tout le monde s'est dit, l'eau comme il balène et coulousse.
en disant que à la croix le Seigneur a bien qu'on se venge le cola munguna. Et à la croix c'était l'année de racheter. Cela veut dire il quand on a racheté biso na ekulusu, c'était aussi le temps de la vengeance. Oyo le Seigneur a bien qu'on se venge sur son ennemi. Que le Seigneur bénisse. Tous on dit maquer. Ce qui m'ont dit biso que bataille d'Armageddon et sa vengeance qui est en Zambé, le Kola Munguna, ton Dimiango, tu dis oui et amen. Ton Dimiango, et sa bongo, voilà la prophétie. Mais comme ça, la tête est l'œuvre de la croix et la rappelle vengeance. L'œuvre de la croix et la rappelle vengeance parce que, Awa a lobby que j'étais seul. À la croix, le Seigneur était seul devant l'ennemi pour se venger. Na mabe oyo, Munguna, Ayebaka, Nakosala, le Kola Biso. Depuis le jardin d'Éden, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur Jésus-Christ azolokum, que le soit pas mon abisso. Ok. De Samuel Oyo, 1 Samuel Oyo, dans une dimanche, tu perds qui est là-bas, oui, tu vois, dans un canal 1 Samuel, 2 Samuel, tu perds qui est là-bas, mais l'élo, tu aussi tu récupéras et là-bas, Oyo, tu perds qui, que le Seigneur bénisse. To perdaki elamba, oui, c'est là qui elamba, il y a ma couleur rebelle à cause du péché. Tu vas qui n'a pas perdu. Tu as une écriture pour n'a pas tellement ça quelque chose à ah, que le Seigneur nous bénisse. Tu as une écriture pour démontrer quelque chose ici. Tu as un mukanda 1 Samuel. Chapitre na yango tout est content non 2 Samuel chapitre na yango 13. Après cela voici qu'arriva ok nazo ke mbar moko esika o nazoluka verset 19 na bana verset 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elle était vierge. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur ta tête et s'en alla en poussant des cris. C'est pour dire que Tamar a ébaki na kobungi sa tunique bigarrée nae pour akomaki déshonoré à la sous vierge. Que le Seigneur nous bénisse. Mais tout le monde dit que na ekulusu tango nzambe a ébaki na kose venger. Na munguna tangu ayebaki na ko racheté biso lelo azongisela biso tiniki bigare otozanga kik tozana yango lelo donc lelo to si to récupérer tiniki bigare oyo toyebaki na ko perdre donc tiniki bigare eza elamba oyo eza ya ba couleur rebelle tozondi make toyebaki na ko perdre yango mais par la grâce de Dieu aujourd'hui to si to récupérer tiniki bigare wana. Nde tiniki bigare wana otozo na ngolelo c'est ça l'évangile oza ya ba couleur rebelle oyo bato balataka yango ezali ba vierge que le Seigneur soit béni. OK tozo ndi make virginité oto perdaka to si to récupérer yango pe elamba oto perdaka to si to récupérer yango que le Seigneur nous bénisse. Virginité yango c'est la sainteté de Corinthiens chapitre 11 verset 1 tokiti. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous pouvez me supporter, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pire. C'est pour dire que le Seigneur, après avoir nous délivré, a ébaki na kubimisa, ouzan kona ya mguna kat na biso, a restauré biso. Aujourd'hui, nous avons récupéré notre virginité. La virginité, c'est ça, la sainteté, la sanctification. Lelo tokoma basantu liboso ya Nzambe pe elamba ya balange bele oto perraki toyebaki na kozwa yango toyeba na kolata elamba na biso tobike elamba oto récupérer lelo toko expliquer ngo na ba couleur ebele mais nazo simba yango comme la prédication ya ba couleur ebele c'est ça la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pour dire que le vêtement ou la tunique bigarrée c'est ça la prédication l'itéa oeza na ba couleur rebelle oeza na ba aspect ebele koloye sou a pambo la biso que le Seigneur soit loué qu'il soit béni.
soki tozwi na mukanda ya Ésaïe chapitre 59 verset 17 kuna écriture lobi il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête la casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme des manteaux. Ésaïe 59 verset 17. C'est pour dire que la vengeance c'est là que l'ambape oyo nzambe à l'attaque. Alors tantôt qu'il y a mukanda ya Deutéronome, tantôt qu'il y a mukanda ya Deutéronome chapitre 25 et 22 verset 5, le lui une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et tel il s'appelle vêtements ya mobali et vêtements ya mobali au moins ça qu'au qui colla tâté et ça le rappelle la vengeance. C'est pour dire que la vengeance c'est un vêtement que Dieu seul porte. Moi si à qui colla t'es angoté et en gros la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi na yanzambe a koki ko se vengete. Moi na yanzambe azongi saramabe likolo ya mabete. Que le Seigneur bénisse. Ataba sali yo mabe. Tikela nzambe azwa vengeance. Tikela nzambe a venge yo. Moi na nzambe a se vengeakate. La vengeance c'est pour les païens. Nous enfants de Dieu, nous sommes appelés à pardonner. Que le Seigneur bénisse. Nous enfants de Dieu, nous sommes appelés à pardonner. La vengeance ezalaka ya Nzambe, mais ezana ba prière comment ko lekale na kati ya ensemble des prières diaboliques, des prières sataniques. On a bodo sambe la timola libulu kunda banguna na yo ba requête moko diabolique timola libulu kunda banguna na yo senga banguna no bakufa. La Bible me dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Nous devons faire beaucoup trop d'attention na makambo yo et comment na ta Bible était. Nous devons faire beaucoup trop d'attention na makambo comment na ta Bible était. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Po ebele abatei bazo mema peuple lelo libanda ya doctrine. Kotindi ka twasala ba prière ba vengeance, basala ba prière ko banguna na bango. Non, la vengeance la makambo nzambe. Bible lobi soki munguna no azangi lamba pesa yi. Azangili papesa ya kolia en faisant cela tout est mort makala ya moto na mutu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons laisser la vengeance et pas Nzambe, parce que lelo na kata ba assemblé tokomi ko mona ba ndeko ba komi ko se venger te ezama ka mwa Nzambe te. Nous devons laisser la vengeance entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Tolobi ke prière ya vengeance eza prière ya Nzambe te. Timula libulu kunda bana na yo zo mupanga beta bangu boma bango. Non, prière à vengeance et za prière à Nzambe te. En tout cas s'il vous plaît supportez-moi, moi je me base sur les écritures. Oui, tout ça base sur ça. Peut arriver pendant que tu pries le Saint-Esprit a orienté yo que bonde la pona liwa ya mutu tel ah wana Nzambe ye moko nda pesho nzela o bonde la pona liwa ya mutu wana. Oui, ça peut arriver comme ça. Nzambe ye moko yibisho ke bonde la frappe betel salabo. Oui, ça peut arriver, mais la doctrine me dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Banguna na yo olinga olinga te. La Bible me dit que les ennemis des justes sont châtiés. Voilà pourquoi quand tu pries, tu seras sensible à mon grand Nzambe, sala au Nzambe a voyé bisayo ou sala. Mais ce que mon grand Nzambe te prie selon ce qui est écrit dans les écritures. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Bon allélo de expliquer soit au Nzambe azala ki nangona ancienne alliance, de expliquer soit pana comme la vengeance, toujours dit maké a kokisa yango na ekulusu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Donc, Ayebaki na ko se venge à la croix de Golgotha pour Namabe oye munguna Ayebaki na kosala. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des questions. Vous tous les biso trouvez bana ko répondre. Numéro 9 Zali, plus 243 860 88 75. Plus 283 99 88 77.
333, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.